Donc, oui, ce soir, je vais vous présenter Eirus. Que j'ai pas eu l'occasion de présenter depuis un an et demi à cause d'un autre truc embêtant qui s'appelle le Covid. Hein. Donc, je vous remercie tous d'être ici avec vos masques. Presque tous. Alors que moi, je peux m'en passer. Donc, oui, ce soir, c'était produit par Vincent, qui n'est pas là, malheureusement. Merci, Loïc, de le remplacer. La technique, c'est Dominique qui s'en occupe. C'est lui qui est derrière les gros yeux noirs. La technique, ce soir, elle a été compliquée. Et en particulier, il y a eu une bataille ce soir qui était pas de lumière. Et Dominique, lumière. Et moi, pas de lumière. Et Dominique, lumière. Et comme il est plus grand que moi, j'ai cédé. Donc, on va faire un peu d'astronomie différente ce soir. On va quand même regarder une planète. On va retourner la lunette dans l'autre sens. Regardez notre Terre. Donc, moi, je suis Gilles Labruyère. J'ai 41 ans d'expérience. Je suis en retraite maintenant. Donc, j'ai 41 ans d'expérience dans la mécanique des satellites, dans les structures et mécanismes, de la planche à dessin jusqu'aux essais, jusqu'à la mise en orbite. Ici, c'est peu de temps avant le lancement. Donc, Eolus était un petit satellite. Le lancement, c'était en août 2018. J'ai été dessinateur industriel, et ça, c'est pas vieux. Hein, ça date il y a moins d'un mois. C'est une proposition que j'ai faite pour un mécanisme d'alignement des télescopes de Eolus seconde génération. Et on y reviendra peut-être. On me paye pour ça, et j'ai été bien payé, donc je suis plutôt assez content. Donc oui, ingénieur, pas scientifique, en structure et mécanisme de satellite. Mon premier diplôme, ça a été de dessinateur industriel. Comme vous avez vu, je suis dessinateur, pas industriel aussi. Je marche surtout aux émotions et à la technique. Je suis très dyslexique, hein, puis il y a un tas de trucs que je ne suis pas, et que je n'ai pas tellement besoin de détailler ici. Alors, Eolus, sa mission a été de mesurer la vitesse des vents tout autour de la Terre et dans l'épaisseur de l'atmosphère. Et avant de commencer le projet, on s'est mis d'accord avec les météorologues. Les météorologues sont les personnes qui vont utiliser majoritairement les données d'Eolus sur les objectifs du programme. Donc, en bas, on a la Terre et puis on a les 30 premiers kilomètres de l'atmosphère. On a divisé ça en trois zones qui sont à peu près conventionnelles. On peut discuter des altitudes, mais c'est à peu près ça. Entre 0 et 2 kilomètres, on a le pelos ou pelos, hein, du grec pelos, qui veut dire le manteau. Ça a laissé pelisse et puis un tas de mots chez nous. Entre 2 et 16 kilomètres, la troposphère, et entre 16 et 30, la stratosphère. À l'intérieur du pelos, donc on va mesurer la vitesse des vents moyenne par tranche de 500 mètres d'épaisseur avec une précision de 3,6 km/h. Alors 3,6, c'est un rôle de chiffre, mais ça correspond pile à 1 mètre par seconde. Et nous, on a tout fait en mètre par seconde. Dans la troposphère, les tranches vont faire 1 km d'épaisseur et la précision sera doublée. Et puis on va encore doubler tout ça dans la stratosphère. La raison pour laquelle on augmente l'épaisseur des tranches et on dégrade quand même la précision, vous vous en doutez, c'est qu'on va suivre les molécules de gaz et plus on monte en altitude, et moins il y en a. Donc les mesures deviennent plus difficiles à faire. Quelque chose d'autre, c'est que jusqu'à 16 km, donc c'est une exigence absolument formelle, on doit y arriver. Entre 16 et 30 km, comme personne n'a fait ça avant nous, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire. Donc, l'objectif était de pouvoir mesurer jusqu'à 30 km. Et après, on voyait si les données étaient fiables ou pas. Et je vous montrerai ce que ça a fait. Donc, il manque le haut de l'image. Hein, l'écran n'est pas centré, mais il y a une flèche en haut. Donc, contrairement à la majorité des satellites, la mission d'Eolus est très simple. Du point de vue des mesures, on a trois paramètres de mesure principaux qui sont la localisation, l'altitude dans quelle tranche on se trouve, et puis la vitesse des vents, donc la flèche que vous ne voyez pas tout en haut. Donc, Eolus est le premier anémomètre spatial, il n'y en a pas eu avant. Avant, on pouvait faire des mesures de vent, mais c'était toujours des mesures indirectes. Les deux méthodes que je connais, c'était soit de suivre le haut des nuages, et alors ça, c'est pas très précis, parce qu'un nuage ne dépasse pas la vitesse du vent, et l'autre méthode, la plus précise que je connaisse, c'était de suivre la houle sur les océans. De la houle, on peut remonter au vent assez facilement, mais bien sûr, c'est le vent qu'au niveau du sol, et là où il y a des océans.
Donc je vous ai dit 18 tranches jusqu'à 16 km, ça on doit le faire. 25 tranches jusqu'à 30 km, ça on fera ce qu'on pourra. Et les trois paramètres, c'est la localisation, l'altitude et la vitesse. Je vais vous parler de l'orbite, parce que l'orbite est assez spéciale. Donc, Eolus vole au-dessus du Terminator. Enfin, en grande majorité, vous savez ce que c'est qu'un Terminator. Ça n'a rien à voir avec Arnold. C'est sur n'importe quelle planète, la ligne qui sépare le jour de la nuit. Alors, la raison pour laquelle Eolus vole au-dessus du Terminator, c'est que la mesure sera d'autant plus précise qu'elle ne sera pas parasitée par le Soleil. Donc, je vais incliner mon satellite de 35 degrés vers la droite, vers la nuit. Et comme ça, comme mon satellite tourne autour de la Terre, au-dessus du Terminator, il verra toujours la nuit. Il vole à 320 km au-dessus de la surface de la Terre. Alors, 320 km, c'est très, très bas. Il ne faut pas s'imaginer qu'il voit la Terre comme ça. Ça fait juste 2,5 cm sur cette Terre-là. Donc, Eolus rase la Terre. Il est plus bas que ISS, qui est à 400 km. Le nombre d'orbites, c'est à peu près 16 par jour, enfin 15,8. La vitesse, c'est 7,7 km par seconde sur l'orbite. Donc, ça fait Paris-Grenoble en une minute. C'est bien pour aller faire du ski, mais il y a des accélérations entre-temps. Et qu'est-ce qui me manque encore? C'est à peu près tout. C'est une orbite qui a aussi deux autres intérêts. C'est qu'elle est complètement impropre à l'observation de la Terre, mais elle est impropre aux télécommunications aussi. Donc il y a un seul satellite sur cette orbite, qui est Eolus. Ce qui a un avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de débris. Comme il n'y a pas grand monde qui y est allé, à part quelques satellites d'Elon Musk qui passent par là de temps en temps, on ne craint pas trop les débris. L'autre avantage qu'il a, c'est que, comme j'ai toujours le Soleil qui est à ma gauche, mon satellite voit toujours le Soleil sous le même angle, ce qui facilite un tout petit peu la thermique du satellite. J'en reviens sur la thermique qui est compliquée de toute façon, mais au moins, de ce point de vue-là, c'était pas excessivement compliqué. Donc ça, c'est une orbite typique au sol. Elle va partir... Alors, dans quel sens tourne la Terre ? La Terre tourne dans ce sens-là, si elle veut bien tourner. Et donc, mon satellite fait des tours autour de la Terre, à 2,5 km. Donc, il passe au-dessus du pôle nord de l'équateur, du pôle sud de l'équateur, du pôle nord. Et sur une planisphère, ça donne à peu près ça, donc 90 minutes, hein, 1h30 grosso modo. Sur une journée, je vous ai dit 15 orbites, presque 16 orbites à faire ça. Donc, Eolus couvre toute la Terre, ça c'est vrai. Mais il y a des grands jours hein, qui font 1500 km entre deux orbites, ce qui fait que ce n'est pas vraiment une couverture complète de l'orbite. Ce qu'on va faire, c'est que chaque jour, par rapport à la rotation de la Terre, on va décaler un tout petit peu l'orbite. En fait, on va laisser la Terre se décaler un tout petit peu entre les orbites d'une journée sur l'autre. Ce qui va donner ça. Donc, sur 7 jours complets, avec ce décalage, on fait 111 orbites exactement. Donc, Eolus répète exactement un cycle de 111 orbites qui couvre toute la Terre entière. Donc, deux limitations sur les mesures aujourd'hui, tout de suite, là. C'est que Eolus ne fait des mesures que de nuit. Deux jours, on ne sait pas faire encore. Et il faut 7 jours pour faire une couverture complète de la Terre. Donc l'orbite, 320 km d'altitude au-dessus du Terminator, 7,7 km par seconde. Une répétition de cycle de 111 orbites en 7 jours. Donc c'est ça qui est exact. Et le nombre d'orbites par jour, on s'y intéresse pas. Et la durée de l'orbite, c'est environ 1h30. Les contraintes de l'orbite, je vous en parlais un petit peu, parce que c'est à la base de l'ingénierie de l'espace. Ici, je vous ai mis une échelle, soit du vide, soit de la pression. Donc, chaque fois qu'on descend d'une ligne blanche, on descend la pression d'un facteur 10. Et à gauche, je vous ai mis le nombre de molécules par mètre cube. Et chaque fois qu'on descend d'une ligne, on divise le nombre de molécules par 10. En bleu, tout en haut, on a la Terre. Bon, le chiffre, le nombre de molécules par mètre cube, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour montrer qu'il en reste. Donc, en bleu, tout en haut, on a la Terre. En vert, on a ce que nous, on appelle le vide primaire, mais sinon, ça s'appellerait plutôt le vide industriel. C'est ce qu'on obtient avec soit des pompes à palettes, soit des turbines. En jaune, on a la pression qu'on s'attend à avoir sur l'orbite de Eolus.
Alors, c'est 100 millions de fois plus bas que la pression atmosphérique. On pourrait se dire que c'est du vide profond. Seulement, il reste quand même un bon nombre de molécules par mètre cube. Et il se trouve qu'une partie de ces molécules-là, c'est de l'oxygène, le même que celui qu'on respire, dit oxygène, O2, sauf qu'il a été cassé par le rayonnement solaire. Et donc, on se retrouve avec de l'oxygène monoatomique, O tout court. Et cet oxygène est extrêmement agressif pour les surfaces. Alors, quand on est un peu plus haut en orbite, on ne s'en rend pas compte. Donc, aucun des satellites que je connaisse avait vraiment eu affaire à ce problème d'oxygène atomique, mais Eolus, oui. Et je vous montrerai les conséquences de cet oxygène atomique. Tout en bas, ce serait une trajectoire interplanétaire, mais bon, le lancement a réussi, donc on n'est pas sur une trajectoire interplanétaire. En pointillé, ce que je vous ai mis en haut, c'est la pression qui règne en haut de la barre des écrins, 4120 mètres, quelque chose comme ça, et c'est aussi, pure coïncidence, la pression qu'il y a dans un emballage sous vide, 70%. Donc, emballage sous vide, c'est vide entre guillemets. Pour nous, c'est certainement pas du vide. Le vide, pour nous, il commence à la ligne verte, 1000 fois plus bas que la pression atmosphérique. Le vide a tout un tas de conséquences, mais il y en a deux dont je voudrais vous parler. La première, c'est la thermique, qui est, comme je vous le disais, très compliquée sur un satellite. Donc, au sol, on a 3 méthodes pour échanger la température entre les objets, et c'est utile d'avoir 3 mains gauches. Et par ordre de violence, celle qui brûle le plus, c'est ma main en haut. Donc là, c'est par convection. Et je ne laisse pas ma main longtemps comme ça, elle va être très chaude. La deuxième, la main qui tient la poignée, c'est par conduction. Bon, c'est une casserole en inox, donc je n'ai pas trop chaud. Et la troisième, la main à une certaine distance de la casserole. Je sens que la casserole est chaude, mais là, il faut vraiment que je touche la casserole pour me brûler, et ça, c'est des radiations. Et par radiation, c'est impossible que je me brûle la main. Nous, sur un satellite, on n'a plus d'air, on n'a plus de gaz, donc excite la convection, et on a très peu de conduction, parce que de toute façon, on peut bien refroidir une boîte électronique ou une unité qui chauffe en la montant sur un panneau, mais le panneau, il va pas être beaucoup plus lourd que l'unité, donc on va pas aller loin dans le refroidissement. Et si je prends un satellite dans son entier, ben, je peux pas conduire la chaleur vers quoi que ce soit. Donc la seule méthode, ben, pas la seule, mais 98% de notre régulation thermique, c'est par radiation, et donc par la méthode la moins efficace de contrôler les températures. Et ça aussi, je vous montrerai ce que ça fait. L'autre conséquence du vide dont je voudrais vous parler, c'est le choix des matériaux. Alors ça, c'est une vieille photo, je n'ai pas réussi à en avoir une plus moderne. Donc c'est un appareil qui mesure le taux d'évaporation des matériaux sous vide. Sous le vide dont je vous parlais, pas sous le vide d'un emballage sous vide. Donc à 100 millions de fois plus bas que la pression atmosphérique, à la bouteille de Schweppes que j'ai mis ici, si je la mets sur un satellite, en une heure, il n'y a plus d'eau dedans, et en un mois, il n'y a plus de plastique. Tout s'évapore, enfin pratiquement tous les liquides et pratiquement tous les plastiques. Et nous, on a besoin de plastique, des liquides pas trop, encore que l'huile dans les mécanismes, ça peut servir. Mais donc le choix, il y a même des métaux qui s'évaporent, comme le cadmium. Donc le choix des matériaux dont nous, on dispose, est extrêmement petit. Par exemple, dans notre laser, il n'y a que 2 cols qui sont au monde. Il n'y a que 2 cols qui sont acceptés. Et encore, il faut les cuire à 120 degrés pendant 4 jours pour être sûr qu'il n'y a plus rien qui va s'évaporer des cols. Parce que bien sûr, si quelque chose s'évapore de notre plastique, ça va aller se condenser sur les surfaces les plus froides. Et les surfaces les plus froides, c'est toujours les optiques. Et les optiques, c'est ça qu'on ne veut pas qu'ils soient contaminés sur un satellite. Donc c'est très difficile. Les plastiques, on en a beaucoup sur un satellite. Hein. Toute la peinture, c'est des plastiques. Les résines, quand on parle de composites, c'est des plastiques. Donc on en a une quantité quand même très, 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 très importante. Tout à l'heure, je vous ai montré un mécanisme. Hein. S'il y a un dessinateur parmi vous, il a vu qu'il n'y avait pas d'axe dedans. C'est un mécanisme complètement flexible. Il n'y a aucune surface sans friction. C'est pour ça que j'ai proposé ça pour Eolus 2. Ça résout tous les problèmes de lubrification. Parce que la goutte d'huile, ça, il n'y a pas ça chez nous. On n'a pas la goutte d'huile. Donc les contraintes en orbite. Bon, l'inaccessibilité, je vous en ai pas parlé parce que ça saute aux yeux. Hein, quand une fois que le satellite est en orbite, on ne peut pas aller réparer les soudures. C'est trop tard. Donc le vide avec deux difficulté pour nous, le choix des matériaux qui est très restreint et le contrôle des températures uniquement par radiation.
La thermique est difficile parce que la face au soleil, si je fais rien, ou si Elena, c'était notre thermicienne, si Elena fait rien, la face au soleil du satellite est à plus de 100 degrés, la face à l'ombre est à moins de 100 degrés, entre plus de 100 et moins de 100 degrés, il n'y a rien qu'on puisse faire fonctionner. Et certainement pas une charge utile comme Eolus. Et puis il y en a un tas d'autres dont je ne vais pas vous parler. Si vous voyez Eclipse à la fin, c'est que vous êtes très très bon. Alors comment, les trois paramètres dont je vous ai parlé, c'est localisation, altitude, vitesse. La localisation d'abord, comment on les mesure? La localisation d'abord, là on a Tall Jack, ici, qui tient dans sa main une antenne. Alors ça s'est pris dans une salle blanche à Kourou, donc est blindée, il n'y a aucun rayonnement électromagnétique qui rentre dans la salle. Donc si je veux vérifier que mon système de localisation fonctionne bien, il faut que j'apporte dans la salle un stimulus qui ressemble à GPS. Et c'est ce que Jack va faire avec cette antenne-là. Donc, localisation, c'est par GPS. C'est simple. Mais ici, il y a des choses qui sont plus intéressantes que la localisation. Donc, on est en salle blanche, ou en salle propre, comme vous voulez. Enfin, propre, ça veut dire aussi propre qu'un bloc opératoire en veille, mais pas stérile. Donc, on a tous une combinaison qui n'a pas de poche, soit des surchausses, soit des chaussures qui sont limitées à la salle blanche, on a tous une charlotte. Quand on touche au matériel, on a tous des gants. Et quand on s'approche à moins de 3 mètres de l'instrument, on a tous un masque. Donc la plupart du temps, on travaille avec des masques, on connaissait ça déjà. Maintenant, encore plus intéressant, on voit que Tall Jack ici et puis Dominique Thibault, ils se réfléchissent dans le mur du satellite. Un miroir sur un mur de satellite, c'est la méthode la plus efficace qu'on ait pour radier la chaleur vers le fond de l'univers, qui est plus froid. Donc chaque fois qu'on a quelque chose qui chauffe beaucoup à l'intérieur d'un satellite, on a tendance à mettre un miroir sur le mur. Celui-là, honnêtement, c'est le plus grand que j'ai jamais vu de ma carrière, et c'est parce qu'il refroidit les lasers de Eolus. Il y en a 3 autres, il y en a un qui se trouve ici, il y en a un petit ici, et là, il y en a un triple que Seb est en train de regarder, et celui-là, on reviendra dessus tout à l'heure. Et pendant que j'en suis aux personnes, parce que Eolus, c'est pas juste de la technique, donc là, il y a une belle brochette d'ingénieurs talentueux de sa planche, et les deux génies sont là, donc Tall Jack, que je vous ai déjà montré, et Nod, ici, qui sont vraiment des Stradivarius de la planche. Merci à eux, parce que sans eux, je crois qu'on n'y serait jamais arrivé. Et là, c'est Caroline Mess. Bon, il faut la reconnaître, moi, je sais que c'est elle. Et ça, c'est la tenue qu'on a quand on commence à s'approcher de l'instrument en fonctionnement. Donc l'instrument, il est toujours couvert, ou presque toujours, et quand il fonctionne, là, on est habillé comme ça. Ouais. Donc il y avait des femmes sur le projet, contrairement à l'image précédente. Localisation par GPS, et je vous ai montré les personnes. Maintenant, la mesure de la vitesse, ça va être le décalage en couleur. Alors, il y a plein de personnes parmi vous qui connaissent ça, parce que ça s'appelle le redshift, ou le décalage vers le rouge, qui sert à mesurer la distance aux galaxies. Donc, nous, ce ne sera pas de décalage vers le rouge, ce sera décalage, je vous le montrerai. Mais, si vous vous arrêtez, c'est une photo de chez moi, ça, hein, juste en bas. Donc, si vous arrêtez à un feu rouge, vous voyez le feu rouge, la palisse est passée par là. Si vous vous approchez à 50 km/h du feu rouge, chose que je ne vous recommande pas parce qu'il faut s'arrêter, vous voyez exactement le même rouge, mais Eolus doit mesurer la vitesse des vents à partir de 3,6 km/h. Donc on est très au-dessus de 3,6 km/h. En fait, Eolus voit déjà que le rouge est parti un peu vers le bleu. Pas vers le rouge, mais vers le bleu. Donc la couleur va changer, la couleur des feux ou la couleur... le retour du laser d'Eolus va changer en fonction de la vitesse à laquelle on s'approche ou de la vitesse à laquelle le feu rouge s'approche. Si vous rouliez à 234 millions de km/h, chose que je ne fais pas tous les jours avec mon vélo, je vous avouerai, alors le feu il deviendrait vert, même s'il était rouge. Donc si vous grillez un feu rouge, vous pouvez toujours dire que vous rouliez à 234 millions de km/h. Je doute que c'est scientifiquement exact, mais pour un gendarme, peut-être compliqué à comprendre. Donc, mesure de la vitesse par décalage en couleur. Là, je vous ai mis le spectre des couleurs visibles, grosso modo entre 400 et 800 nanomètres. Alors, nanomètre, c'est pas important, mais c'est une unité de mesure. C'est un millième de millimètre. C'est quelque chose de très petit. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un nanomètre. Enfin, je n'ai pas ça. C'est pas dans mes unités.
À droite, on a les rouges, et puis à droite des rouges, on a les infrarouges qui servent à mesurer les températures, vous savez ça. À gauche, on a les violets, et à gauche des violets, on a les ultraviolets qui servent à bronzer et à attraper des cancers de la peau. Et Eolus, sa couleur, c'est 355. 355 nanomètres, mais une fois de plus, nanomètres, c'est pas tellement important. Mais 355, très très précis. Et les deux traits que je vais représenter de chaque côté, c'est que si le vent s'approche du satellite, la couleur qui est envoyée par Eolus, c'est 355, mais celle qui va revenir, ça va être 354, quelque chose. En tout cas, ça va aller vers 354. Si le vent s'éloigne du satellite, alors ça ne va pas être 355, la couleur qui est reçue, mais ça va aller vers 356. Et ce que va faire Eolus en optique, ça va être de mesurer la distance qu'il y a entre ces raies-là, pour savoir quel est le prénom de la couleur qu'on reçoit. C'est une couleur ultraviolette, invisible pour la plupart des personnes. Il y a des gens qui ont des maladies des yeux qui peuvent les voir. C'est une maladie. C'est une couleur qui est visible par bon nombre d'animaux, dont la squille. Alors, si vous ne connaissez pas la squille, je vous recommande d'aller voir sur Internet la chose. Mais c'est le seul animal, à ma connaissance, qui a un capteur dans les yeux à 355 nanomètres. Ce qui est très bizarre, parce qu'elle vit dans l'eau, et 355 nanomètres, ça ne se propage pas dans l'eau. Donc, je ne sais pas pourquoi elle a ça. Infrarouge ultraviolet invisible, ça c'est une lampe ultraviolette, une torche à 395 nanomètres, donc on ne voit pas la lumière, elle est puissante, je ne vous la mets pas dans les yeux parce que ce n'est pas agréable, mais si je la dirige vers des choses qui sont comme ma feuille de papier qui est là, les matériaux qui sont fluorescents ou ma chemise, s'il faisait noir dans la pièce, mais bon, comme j'ai dit, Dominique est plus fort que moi. Donc, voilà, l'effet des ultraviolets sur le Schweppes, c'est ça. Alors, la raison pour laquelle les ultraviolets mettent le Schweppes en valeur, c'est que le Schweppes est plein de quinine. La quinine, c'est un tonique cardiaque, mais c'est aussi une molécule, une des 10 molécules qui ont le taux de fluorescence les plus élevés, à tel point qu'on peut faire de la dosimétrie, de doser la quinine avec des ultraviolets. Le décalage en couleur, c'est la seule formule que je vous montrerai. Et c'est juste pour vous dire qu'elle est absolument triviale. Donc c'est une équation linéaire. La vitesse du vent dépend linéairement de la couleur qu'on reçoit. Et si je fais une application numérique de cette chose-là, si je reçois 355 alors que j'ai envoyé 355, c'est qu'il n'y a pas de vent, ça c'est simple. À 280 km/h, ce qui est à peu près le maximum d'Eolus, alors le changement de couleur est le moins, veut dire que le vent s'éloigne du satellite, alors la couleur que je vais recevoir, c'est 355,30105. Et mes 3,6 km/h, qui sont la précision que les météorologues demandent, ça me fait un décalage en couleur de 0,50135. Donc la résolution en matière de couleur, ce qu'on doit détecter, c'est par rapport à 355, qui est le prénom de notre couleur, c'est 0,50135. Donc quelque chose d'extrêmement petit, d'extrêmement faible. Je pense qu'on verra que c'est compliqué de le faire. Là, j'ai mis un graphe de la transparence de l'atmosphère. Donc en bas, c'est le spectre électromagnétique. Par le bas, on a les rayons X. Ici, c'est France Culture, en modulation de fréquence. Et quand c'est complètement noir, comme ici ou comme là, ça veut juste dire que l'atmosphère est opaque. Quand c'est complètement blanc, ça veut dire que l'atmosphère est transparente. Et quand c'est entre les deux, ça veut dire que l'atmosphère est translucide. Pas tellement étonnant, les couleurs visibles tombent dans une fenêtre de transparence, parce que sinon on ne les appellerait pas des couleurs visibles. Et alors 355 nanomètres, ça se situe juste entre les couleurs visibles et puis la fenêtre d'opacité qu'on a juste en dessous. Donc comme on a intérêt à travailler avec une couleur la plus faible possible, pas en intensité mais en longueur d'onde, on a choisi 355. En plus, 355, c'est facile à générer, c'est une longueur d'onde que les industriels connaissent bien, parce que c'est 1064 divisé par 3, et 1064, c'est les lasers infrarouges. Donc on a un laser infrarouge à bord, et on multiplie la fréquence par 3, ça nous donne 355 nanomètres. Donc 355 nanomètres, une fois de plus, c'est pas la peine d'en faire trop dessus. 355, c'est le prénom, nanomètre, c'est le nom, et puis ça suffit. Donc c'est une couleur ultraviolette, invisible aux yeux humains, visible pour la squille.
sans danger ni pour les humains, ni pour aucun animal qu'on connaisse. Alors, pour les gens qui regardent des télescopes, si vous avez un télescope de 20 cm de diamètre et que vous regardez Luce, ça peut endommager votre vision. Mais la probabilité que vous puissiez faire ça, elle est extrêmement compliquée, parce qu'à 7,7 km par seconde, ça veut dire que le point d'impact d'Éolus sur le sol se déplace extrêmement rapidement. Et comme on a un faisceau qui est très directif, vous n'allez pas pouvoir regarder dans le laser d'Éolus pour plus qu'un seul flash, ce qui ne suffit pas à abîmer les yeux. Donc on est un peu tranquille. Donc on a la localisation par GPS, on a la vitesse par le décalage en couleur, il nous reste l'altitude ou la hauteur de la tranche, et ça c'est encore plus simple, c'est que le chemin optique qui part d'Éolus qui va se réfléchir sur les couches hautes de l'atmosphère, il est plus court que le chemin optique qui part d'Éolus qui va se réfléchir sur les couches basses de l'atmosphère et qui revient. Donc dans l'écho, la première chose qui revient, c'est les couches hautes de l'atmosphère, la dernière chose, c'est les couches basses. Avec, si j'arrive à avoir le temps, enfin si j'arrive à marquer le temps auquel l'écho revient, j'aurai l'altitude. Donc bon, ça se passe à la vitesse de la lumière, donc ça va vite, mais c'est assez simple. Donc les principes de mesure sont les trois paramètres principaux de la mesure qu'on doit avoir. La position, c'est par GPS, la vitesse, le décalage en couleur, et l'altitude, c'est l'instant de l'écho. Ouais. Alors comment on fait ça? Ici, je vous ai mis un schéma de l'instrument d'Éolus. En bas, c'est le vent hein, qui souffle de la droite vers la gauche, même que celui qui est ici. Et il a le sourire. Donc dans notre charge utile, on a un laser super méga costaud qui se trouve là. On a un grand télescope, 1,50 m de diamètre. Et on a une lame discriminatrice qui intercepte la réflexion, celle qui revient vers le satellite pour l'envoyer sur la fente qui se trouve là, mais qui laisse passer le laser à l'émission. Après la lame discriminatrice, on a une fente, on a un prisme, entre guillemets, et puis on a une caméra digitale qui enregistre la déviation du faisceau à travers le prisme. Comment ça marche dans le temps? Donc on a l'émission, là on pourrait se passer du télescope, mais il est là, donc on l'utilise. Et à la réception, ce qui se passe, c'est que l'atmosphère ne réfléchit pas vraiment le laser. Bien sûr, le terme propre, ce serait plutôt rétrodiffuse. Donc, on en renvoie partout dans l'espace. On a notre grand miroir ici, qui est là pour collecter le maximum de photons. Renvoyé sur le miroir secondaire, sur la lame discriminatrice, on passe la fente, le prisme. Comme le vent s'approche du satellite, la déviation est vers le bas, si je ne me suis pas trompé. Et la caméra digitale, ici, repère la déviation entre le faisceau qui est nominal, donc à 355, et puis celui qui est ici, qui serait à 355, quelque chose. Donc on a l'émission, la réception, l'émission, la réception. Donc on a un laser qui est pulsé, en fait, qui envoie 50 flashs toutes les secondes, et juste après, on reçoit un écho. Et c'est l'écho qu'on analyse. Je vous le fais une fois de plus. L'émission, réception. Et, tiens, j'en ai mis encore plus. Donc j'ai mis tout ça sur une échelle de 32 cm. Enfin, à l'échelle de l'écran, ça ne fait plus 32 cm, mais ce n'est pas important. J'ai juste fait ça parce qu'on se trouve à 320 km d'altitude et qu'on veut mesurer la hauteur. Donc, la correspondance, c'est 1 mm pour 1 km. Donc, on a un flash ici, qui est très, très bref, qui est très, très violent. La durée du flash et le temps qu'il faut à la lumière pour traverser cette pièce-là, qui fait à peu près 6 mètres. Donc, voilà, c'est la brièveté du flash. 2,6 millièmes de seconde plus tard, l'écho est terminé. Et il commence à peu près à 29 cm, donc il laisse 30 mm ici, ce qui veut dire 30 km. Donc c'est bien ce que les météorologues nous demandent. Si je fais juste un zoom sur l'écho, donc on commence à mesurer à partir de 30 mm avant la fin, donc 30 km, ça va bien. On a un changement, et là on mesure tous les 2 mm, c'est-à-dire tous les 2 km d'altitude. On a un changement d'altitude, de rythme
à 16 km pour passer à une mesure tous les kilomètres. Et puis quand on est dans le pelouse, on a une mesure tous les 2 mm ici. Quand on touche les couches chaudes de l'atmosphère, bien sûr, il n'y a pas de gaz pratiquement. Donc on a un retour qui est très très faible, qui va augmenter quand on va rentrer dans l'atmosphère, enfin plutôt quand le laser va rentrer dans l'atmosphère. Et puis on aura une chute, bien sûr, à chaque fois qu'on accélérera la cadence de mesure. À la fin, on a un flash qui est toujours plus important que le reste. Enfin, pas toujours, en fait, mais souvent, on a un flash qui est plus important que le reste et qui vient de là, du fait que si le laser touche de la neige, par exemple, ou de l'eau qui est un peu rugueuse, alors cette surface-là va réfléchir plus la lumière vers le satellite que ne le fait l'atmosphère. Donc, on a un grand flash à la fin. La cadence de mesure, quand on est en pelouse, donc on mesure tous les 500 mètres d'épaisseur, c'est la durée d'exposition, c'est 1/4 millionième de seconde. Donc non seulement il faut qu'on mesure des différences de couleurs qui sont de 0,50135, mais en plus on a 1/4 millionième de seconde pour le faire. À la fin, c'est pour ça que Eolus peut mesurer la vitesse des vents que de nuit, hein, parce que si en plus on ajoute la lumière du soleil à ça, on ne sait plus faire du tout. Donc flash écho, on a 50 flashs par seconde, la longueur du flash, la longueur du faisceau lumineux qu'on envoie, c'est 6 mètres, la durée totale de l'écho, c'est 2,6 fin de l'écho est 2,6 millième de seconde après l'envoi du flash, et le temps d'exposition dans le pelos, c'est 1/4 millionième de seconde. Les données, je vous les passe, c'est pas très sexy, c'est une longue suite de chiffres. Alors, Eolus n'envoie pas beaucoup de données, parce qu'avec juste 3 paramètres à mesurer, on ne fait pas d'imagerie. Donc, la quantité de données que Eolus envoie est très faible comparée à n'importe quel satellite. Mais il y a des gens intelligents qui savent en faire des graphismes. Les gens intelligents, donc c'est les gens des opérations à l'Agence spatiale européenne et ici WEF. Ici, WEF, c'est le Centre européen de météorologie à moyen terme, qui est à Reading, à 60 km à l'ouest de Londres. Et donc, ça, c'est le graphique qui correspond aux chiffres que je vous ai montrés. Donc, chaque orbite, on a ces données-là, c'est-à-dire la géométrie de l'orbite, et puis les deux canaux de mesure. Nous, on ne s'intéressera qu'à ce canal-là, parce qu'il est visiblement plus complet que l'autre. Pour les scientifiques, il y en a un qui est Mi, l'autre qui est Rayleigh. Mais bon, c'est des gros mots, ça. Une orbite qui ressemble à celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et on a un éphéméride, ou une, je ne sais pas comment on dit en fait, une, peu importe. On a des éphémérides qui, en fonction du temps passé sur l'orbite en secondes, va nous donner exactement où on se trouve sur la Terre. Donc ça va être la traduction de notre localisation. Et dans la mesure, donc l'axe horizontal, c'est le nombre de secondes passées sur l'orbite, donc à par exemple 4000. Si je vais dans les éphémérides, je saurai exactement où je me trouve sur Terre. L'échelle verticale, c'est l'altitude. Et puis les couleurs, eh ben c'est la mesure des vents. Bleu quand le vent s'éloigne du satellite, rouge quand le vent s'approche du satellite. Donc là, il y a une bonne nouvelle, Eolus fonctionne. Ça, c'est une orbite de mars 2019. Ouais, 2019. Donc on voit qu'on ne monte pas jusqu'à 30 km. On n'y arrive pas. Le maximum qu'on puisse faire, c'est 25 km. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de mesure au-dessus. Bien sûr, on mesure jusqu'à 30 km, mais les données ne sont pas fiables. Elles n'ont pas la bonne précision. Donc, on les rejette dans la mesure. Et on voit aussi que l'altitude jusqu'à laquelle on mesure les vitesses des vents n'est pas constante. Alors, la raison pour ça, c'est que l'épaisseur de l'atmosphère n'est pas constante. Elle est plus épaisse à l'équateur qu'au pôle, pour deux raisons, la force centrifuge et puis le fait qu'à cet endroit-là, l'atmosphère est plus chaude, donc elle est plus épaisse. Et il se trouve aussi qu'entre le 30e et le 60e parallèle, l'atmosphère est plus instable, pour ceux qui ont fait un peu de dynamique atmosphérique, et les cellules de Ferrel. Et les cellules de Ferrel sont plus instables que les cellules de Hadley qui se trouvent entre le 30e parallèle et l'équateur, ou les cellules polaires. Et donc ça fait que ça nous bruite un peu plus nos mesures, et donc on descend un chouïa plus quand on passe entre le 30e et le 60e parallèle, là où on se trouve, nous, bien sûr. Donc Eolus fonctionne, et ça, c'est les données de mardi dernier ou lundi dernier, donc Eolus fonctionne encore, il a fini sa durée de vie, on l'a lancé en août 2018 pour 3 ans, en croisant les doigts qui durent plus que 3 mois,
Personne de nous pronostiquait qu'il allait durer plus que 3 mois. On allait sabler le champagne s'il durait plus de 3 mois. Et là, on est à plus de 3 ans et il fonctionne encore. Il ne fonctionne pas très bien, mais il fonctionne suffisamment pour que les données soient utilisées par les météorologues depuis 2020, depuis janvier 2020. Donc, le succès est très, très grand. Comment s'est fait un satellite, enfin comment est fait Olus? Donc là on a une image de synthèse, hein, parce qu'on n'a pas envoyé un photographe pour prendre en photo. Donc Olus c'est surtout une boîte à peu près cubique en aluminium, de technologie assez rudimentaire en fait, de générateurs solaires, parce que la seule énergie qu'on peut renouveler là-haut c'est l'énergie photovoltaïque. On a un peu de fuel à bord bien sûr, mais pour faire fonctionner l'ensemble c'est l'énergie du soleil. Et en bas, on a l'instrument. En fait, ce qu'on voit ici, c'est le baffle qui est autour du télescope, qui protège le télescope du rayonnement solaire pour garder des températures à peu près constantes, chose que vous connaissez, vous qui avez des télescopes. Et l'instrument lui-même, c'est cette petite chose ici, là, qui veut dire plus de 50 cm d'épaisseur et qui est la source d'absolument tous nos embêtements pour rester poli. La même chose à Kourou. En vrai, cette fois-ci, donc c'est la même vue du satellite que celle qu'on a vue tout à l'heure, avec les... parce que cette fois-ci, on a replié les générateurs solaires, parce qu'il faut tenir sous la coiffe de Vega, qui n'est pas très grande. On a les miroirs, les 4 que je vous ai montrés tout à l'heure, et là, ce qu'on voit, c'est que le baffle de l'instrument, il est moitié blanc, moitié doré. Alors le doré, en fait, c'est du capton, qui est une matière plastique jaune, et qui est aluminisé en face arrière. Donc, quand on le regarde, ce qu'on voit, c'est la réflexion de la lumière à travers le plastique, et donc ça ressemble à de l'or, mais en fait, c'est du capton. Et il se trouve que le capton est très, très sensible à l'oxygène monoatomique qu'il y a sur l'orbite de Eolus. Donc, tout ce qui est en face avant du satellite, le pare-brise du satellite, le capton, il est impropre, on ne peut pas avoir ça. Donc on a mis ce tissu blanc, qui est du tissu de téflon, le même tissu que les combinaisons d'astronautes, qui résistent très bien à l'oxygène monoatomique. Et en fait, les 3/4 de la périphérie du télescope sont blancs, et il y en a un quart qui est en capton. Pourquoi on s'est embêté à garder ce quart-là? C'est que le téflon, c'est lourd, c'est pas facile à manipuler, et surtout, ses propriétés thermo-optiques sont beaucoup moins bonnes que le capton. Donc si on veut vraiment une couverture de survie la plus efficace possible, on va mettre le plus de capton possible. Et donc on en a mis un quart, qui est à peu près tout ce qu'on pouvait mettre. Satellite à l'extérieur, je pense que vous aviez déjà vu ça. L'intérieur, c'est moins probable. Donc la boîte d'Eolus, elle est divisée en 6 compartiments. Ça, c'en est un, et c'est le seul que je vais vous présenter. Donc c'est tout peint en noir, c'est pas beau, c'est pas sexy. Mais le noir, la peinture noire, c'est ce qui permet d'homogénéiser au maximum les températures à l'intérieur du satellite. Je vous ai dit que si on faisait rien, il y avait une face qui était à plus de 100 degrés, l'autre à moins de 100 degrés. Donc ce qu'on fait, c'est de peindre tout l'intérieur en noir pour homogénéiser les températures entre moins 20 et plus 40, quelque chose comme ça. C'est plein de fils électriques. Alors peut-être c'est la technologie d'Eolus qui est un peu ancienne. Eolus, il y a plus de cuivre dans les fils électriques que de masse de structure, ce qui n'est pas terrible pour les mécaniciens. Et puis il y a 2 équipements, il y a une roue à inertie ici, donc la roue à inertie, c'est ce qui va permettre de ramener Eolus sur sa ligne de visée s'il se met à dévier. Il y en a 4 dans Eolus au total. Et au-dessus, on a notre ordinateur de bord. Dans Eolus, il y a 2 ordinateurs principaux. Il y a l'ordinateur de bord et l'ordinateur scientifique. Ça, c'est l'ordinateur de bord. Il y en a 2, en fait, dedans, parce que s'il y en a un qui tombe en panne, l'autre, on bascule sur l'autre. Donc, il y en a un qui est en haut de la boîte et l'autre qui est en bas de la boîte. Et cette boîte, elle est assez grosse. Hein, elle est à peu près... comme ça. Elle pèse 18 kilos. Et en termes de puissance, c'est à peu près 50 fois moins puissant que votre smartphone. Donc on a un ordinateur qui est extrêmement peu puissant. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que personne ne va s'en servir comme smartphone. On sait ce qu'on veut faire avec, mais on ne va pas jouer beaucoup. Et l'autre raison, c'est qu'il y a une dose de radiation extrêmement forte. Hein, je vous ai dit, le satellite passe au-dessus des pôles à peu près 31 fois par journée et à 320 km. Et là, on a des doses de radiation qui sont massives. Elles sont tellement massives que votre smartphone résisterait une fraction de seconde. Le mien aussi, hein, il n'est pas plus blindé. Donc nous,
Notre ordinateur, ici, il fallait qu'il résiste aux radiations, comme les ordinateurs de presque tous les satellites qui passent au-dessus des pôles. Et donc, la manière de faire qu'on a choisie, c'est d'avoir des composants les plus gros possibles, pour être les plus insensibles possibles aux particules lourdes qu'auraient envie de traverser, et puis de réduire l'horloge le plus possible, pour avoir, une fois de plus, une cadence de calcul inférieure aux effets que pour avoir une particule lourde qui traverse l'ordinateur. Donc on a un très gros ordinateur qui vaut très très cher, qui est un exemplaire unique. Il n'y a pas de contrôle Alt-Delete. Il faut qu'il fonctionne pendant 3 ans. Et je ne peux pas téléphoner à la maintenance parce qu'il n'y a pas de DSI ou de direction du service informatique là-haut. Une fois qu'on l'a lancé, on l'a lancé. La charge utile, qui est plus intéressante. Donc je vous ai dit un laser super puissant et puis un télescope sur lequel je reviendrai. Mais entre les deux, donc on a notre lame discriminatrice, notre fente, notre prisme, et là on mesure la déviation sur une caméra digitale. Et bien sûr, comme la différence de couleur est très très faible, la déviation va être très très faible, et on a intérêt à garder un alignement le plus parfait possible. Donc tous ces objets-là, là, ces 4 objets-là, on les a mis sur un seul plateau qu'on appelle le banc optique, qui est ici, qui est à peu près grand comme ça. Désolé Dominique pour le micro. C'est un plateau en fibre de carbone, parce que la fibre de carbone ne se déforme pas trop avec les températures, donc pour avoir une stabilité géométrique, c'est ce qu'on pouvait faire le mieux. C'est monté sur l'instrument par 3 pieds en V, et on les reverra plus tard, on a des pieds en V partout. Et à l'intérieur, donc on a les éléments dont je vous parlais. Alors forcément, dans le spatial, tout est beaucoup plus compliqué que les principes, mais cette pièce qui est fraisée ici contient la lame discriminatrice et beaucoup d'autres choses qui ne sont pas importantes pour le principe, mais il y en a pas mal. La boîte ici, en aluminium, contient et la fente, qui se trouve tout près de l'ouverture qui est là, le laser va rentrer par ici. Et là-bas, tout au fond, en blanc, avec la flamme, c'est notre caméra digitale qui va repérer le déplacement du faisceau. La boîte noire ici, de l'autre côté, la face qui est par là-bas, c'est celle que Seb regardait tout à l'heure. Elle contient les 3 miroirs qui refroidissent les 2 détecteurs et les électroniques des détecteurs. Comme tout ça dissipe très peu de température, c'est des miroirs qui sont très, très petits. Donc un peu de technique spatiale, salle blanche, on devrait plutôt les appeler salle propre. Hein, je vous disais, c'est un bloc opératoire en veille, mais pas stérile. Un satellite, c'est plein de fils électriques, c'est tout peint en noir à l'intérieur, et surtout, je pense que le plus important, c'est que chaque fois qu'il y a des miroirs à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui chauffe à l'intérieur. Et puis là, je vais faire une pause pour reposer mes cordes vocales, je vais vous passer un petit film, si la technique veut bien me suivre, hein. PF11, je l'ai ici. Le volume 40.
La propulsion est nominale. Un an de travail en 3 minutes, c'est à peu près ça. Et j'ai laissé mon pointeur quelque part. Donc, le laser, la source principale de nos ennuis. Donc, en fait, il y en a deux des lasers. S'il y en a un qui tombe en panne, on bascule sur l'autre. Ils sont redondants l'un de l'autre. Donc, on a un laser, deux donc. De l'extérieur, à moins pour nous, ils ressemblent à des boîtes un peu ordinaires. Les mêmes pieds en V, donc souci de stabilité géométrique à l'intérieur. Mais quand on l'ouvre, alors c'est fabuleusement compliqué. Donc c'est gros comme deux boîtes à chaussures, et on a réussi à caser 250 surfaces optiques à l'intérieur. Une surface optique dans Réolus, c'est soit une lentille, soit un miroir, soit un réseau, soit un filtre, soit un cristal. Alors bien sûr, quand on a commencé, on ne s'attendait pas à ça, mais une fois de plus, comme on est les premiers à fabriquer un laser comme ça, ben, on a appris en le faisant, et on a appris toutes les erreurs qu'on pouvait apprendre. Ça, c'est une image du même laser, juste avant ou juste après un essai fonctionnel dans l'air. Alors la dissipation thermique de ces lasers, c'est à peu près 370 watts, dont l'essentiel est dissipé sous forme de thermique. Il y a très peu qui sortent comme laser. Donc notre souci principal, eh bien, c'était la stabilité géométrique, parce que bien sûr, ça chauffe. 370 watts, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on avait des grands miroirs. Mais même avec des grands miroirs, la stabilité de température à l'intérieur n'était pas l'idéal. En plus, on a fait des erreurs débutants. Là, on a nos deux amplis laser. Donc, c'est là où la puissance thermique est dissipée. Là, les boîtes noires, enfin, que vous voyez en sombre. Et entre les deux, on a mis la cavité laser, la cavité résonante, qui est la partie la plus sensible du laser. Ce qui était une stupidité de le mettre entre les deux points qui chauffaient le plus. Mais bon, une fois de plus, les erreurs, c'est très facile de les voir après. Quand on l'a fait, on ne s'est pas rendu compte qu'on était en train de le faire. Il est énormément puissant. La raison pour laquelle il est puissant, c'est que la lumière qui va revenir est très très faible. Si la torche qui est là-bas en train de briller sur le Schweppes, si je voulais que le satellite reçoive cette lumière-là, il faudrait couvrir toute la Terre par des torches sur 20 mètres d'épaisseur. La lumière qui revient vers Éolus, c'est 100 millions de milliards de fois plus bas que la lumière émise. Donc on reçoit très très peu de lumière et pour en émettre le maximum, mais bon, on a des lasers qui sont assez costauds. La raison pour ces 100 millions de milliards d'atténuations, je vous en ai parlé, la première, c'est que l'atmosphère rétrodiffuse, ne réfléchit pas la lumière droit vers le satellite, mais bave partout. Et moi j'ai un petit satellite à 320 km avec un réflecteur d'1,50 m, donc je collecte très très peu de lumière. Et l'autre raison, c'est que je veux faire des mesures jusqu'au sol, et la partie qui est rétrodiffusée au sol, donc il y en a très très peu, elle doit retraverser toute l'atmosphère en remontant. Donc ça veut dire que l'atmosphère est transparente à 355 nanomètres, et si elle est transparente à 355 nanomètres, eh ben, elle n'en réfléchit pas beaucoup, ou elle en rétrodiffuse pas beaucoup. Donc on a un laser qui est costaud, je vais passer au bateau d'abord. Alors, à mes yeux, à moi, Éolus avait un grand avantage, et à mon chef de projet, c'était un énorme inconvénient, c'est qu'il ne pouvait pas prendre l'avion. Donc on a pris le bateau de Saint-Nazaire jusqu'à Desgrades-des-Cannes, le port de Kourou, celui-là, et on était les seuls à bord. Je crois que j'ai une image de la soute. Donc ça, c'est la soute. Il y en a quatre, il y a quatre ponts comme ça. Et vous pouvez... Éolus est là, dans le petit conteneur qui se trouve ici, là. Donc on était... Mais c'est bien, 14 jours de... Et c'est un bateau qui est super bien équipé, donc pour traverser l'Atlantique, c'était absolument fantastique. Là, c'est l'arrivée à Desgrades-des-Cannes. Ma cabine était là, la première fenêtre, ici. Mais donc la personne en rouge qui est ici, c'est Fleur Lefebvre. C'était la directrice des opérations au CSG, au Centre Spatial Guyanais. C'est elle qui faisait le compte à rebours tout à l'heure, et donc preuve encore qu'il y avait des femmes dans notre métier. Ici, c'est Capitaine, là, que j'ai coupé en deux à peu près.
Alors, capitaine, bien sûr, j'aurais fait une présentation d'Eolus à peu près similaire à celle-ci dans le bateau, parce qu'ils étaient motivés pour savoir ce qu'ils transportaient de si précieux, vu qu'on était la seule cargaison. Donc, il m'a demandé, lui, il est marin, il est à Paimpol, il a un voilier, il me demande s'il doit téléphoner à Eolus ou s'il peut téléphoner à Eolus pour savoir si ça vaut le coup de sortir son voilier. Et je lui dis, écoute, Eolus passe au-dessus de Paimpol une fois tous les 7 jours, donc, et puis en plus, il va te donner le vent qu'il faisait et pas le vent qu'il va faire. Tu ferais mieux de téléphoner à Météo France, qui a une prévision tous les six heures. On est restés copains quand même. Mais pour revenir sur le moteur, il se trouve que la puissance crête de nos lasers, c'est la même puissance que les moteurs de propulsion du Ciudad de Cadiz. 10 000 chevaux, 5 mégawatts. Alors, pour nous, c'est la puissance crête, pour eux, c'est la puissance moyenne. C'est là où est la différence. Hein, chaque moteur pèse 110 tonnes, un quart de mètre cube de cylindrée. C'est énorme. Et ça respire la santé, bien sûr. Ce n'est pas un bateau très rapide. Donc nos lasers, super compliqués, 250 surfaces optiques à l'intérieur, 370 watts de température diffusée, sensibilité à la microgravité aussi, parce qu'on est en train de chercher le pouillème de nanomètre ici. Pas le pouillème de micron, mais le pouillème de nanomètre, ce qui est compliqué. Puissance très très importante, puissance crête, 5 mégawatts, ou si ça ne vous parle pas, c'est la puissance des moteurs du Ciudad de Cadiz. Et la lumière reçue, bah, c'est 100 millions de milliards de fois plus faible que la lumière émise. Chaque fois que je dis 100 millions de milliards, ça me fait bizarre. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Le calcul de la surface de la Terre sur 20 mètres de la France sur 20 mètres d'épaisseur, je l'ai refait 5 fois pour être sûr que je ne me sois pas trompé. Donc si vous voulez le refaire pour moi et confirmer que je ne me sois pas trompé, c'est juste incroyable. Et donc, voilà notre problème. Il faut faire passer la puissance de l'arbre. Ça, c'est un arbre d'hélice du Ciudad, hein, 35 cm de diamètre, en acier bien solide, sur des lentilles qui font 2 cm de diamètre, en verre. Et bien sûr, ça ne marche pas. Impossible de faire marcher. Toutes les lentilles qu'on a essayées au début, elles sont toutes, on les a toutes cassées. Et il y a deux raisons à cela. Là, c'est des photos techniques, je m'en excuse, je ne peux pas trop vous les commenter, mais au moins, il y a des photos en noir et blanc qu'on voit bien. Là, il y a deux cristaux, ils ont explosé littéralement. Et ici, on a une lentille qu'on est en train de brûler rapidement, et l'autre là-bas est en train de prendre la même voie. Et donc, il y a deux raisons pour ça qu'on avait anticipé toutes les deux. La première, c'est que sous la puissance, la température de surface de la lentille va monter à 1750 degrés. Donc, il faut trouver un revêtement optique qui tienne 1750 degrés. Quand on a commencé à Eolus, donc en 2001-2002, ces revêtements existaient déjà à l'état de prototype en labo. Donc, il a juste fallu l'industrialiser. On a eu ça à peu près 2 ans plus tard. Mais il y a un deuxième effet qu'on avait anticipé et qu'on a complètement interprété de travers. Ici, je vous ai représenté un miroir, la surface d'un miroir à l'intérieur du laser, de la boîte qui s'appelle le laser, et puis ici, c'est l'intérieur de la boîte. Et en fait, sur chaque surface optique, une couche monomoléculaire de contaminants qui n'était pas là quand on nous a livré les optiques. Elles étaient du verre avec leur revêtement optique, mais seulement quand on est resté 2 ou 3 ans en salle blanche, on finit par avoir cette couche monomoléculaire. Qui sont tous des organiques et principalement des hydrocarbones, donc ils se terminent par un carbone et un hydrogène. Et moi, je vais envoyer un premier faisceau laser dessus, enfin un premier flash laser. La surface va monter à 1750 degrés, ça fait une superbe pyrolyse. L'hydrogène et tout ce qui est volatile part et il reste sur la surface le carbone. Donc le carbone sur une surface, c'est du graphite, c'est gris, donc ça va intercepter encore plus de la lumière du laser. Donc là, on est au deuxième tir. Et la surface monte à 3000 degrés, et là, le verre ne supporte pas. Et il y a 50 tirs sur la première seconde, donc si on a une lentille qui tient une seconde, on a de la chance. Et ça, c'est arrivé à toutes les lentilles sur lesquelles on avait de la puissance. Bien sûr, ce n'est pas arrivé sur les lentilles, on n'avait pas de puissance laser. Et Zorro est arrivé, enfin pas Zorro, mais Danny Wernham. Alors Danny Wernham, son passé, c'était dans les revêtements optiques, il savait de quoi il parlait. Et puis, il est devenu le responsable technique de l'instrument, de la mission. Et puis, maintenant, c'est le responsable technique de la descendance d'Eolus. Et un jour, Danny m'a dit, écoute, il faut qu'on ajoute de l'oxygène, ce qu'on ne fait jamais sur un satellite, bien sûr.
parce que sans oxygène, on ne volera jamais. Avec de l'oxygène, il y a une petite chance qu'on réussisse à voler. Parce que ce que va faire l'oxygène, c'est qu'elle va se combiner à l'hydrogène pour faire H2O, c'est de la vapeur d'eau que le laser ne voit pas. Et il y en a très très peu, donc la densité de gaz est très très faible. Et l'oxygène va aussi se combiner avec le carbone, surtout que tout ça est excité par un laser à 355 nanomètres, donc l'oxygène est très réactif. Et le dioxyde de carbone, c'est très mauvais pour l'environnement, mais c'est très très bon pour notre laser. Et une fois de plus, il y en a très très peu. Et la surface est propre et va le rester, puisqu'une fois qu'on est en orbite, il n'y a plus de contamination. Donc on a mis de l'oxygène à bord. Et tardivement dans le projet, il a fallu attendre 5 ans pour qu'on se rende compte qu'il fallait mettre de l'oxygène. Donc les deux réservoirs ici, enfin les deux petites choses rondes ici, sont deux réservoirs d'oxygène qui tiennent 18 kilos d'oxygène en tout, et qu'on va laisser balayer le laser, enfin la partie haute puissance de laser, à peu près 2500 fois plus bas que la pression atmosphérique, donc une pression très 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 très, très basse. Et ça, ça marche. Le premier jour où on a mis de l'oxygène dedans, on a vu la durée de vie augmenter. Et là, Eolus fonctionne depuis plus de 3 ans, et de ce côté-là, on a très très peu de problèmes. Enfin, le laser qui fonctionne en ce moment fonctionne bien. Là, on est plus près du lancement, hein, parce qu'on a une demi-coiffe qui est ici, et tous les ingénieurs portent un sac rouge qui contient un masque à gaz. Ça veut dire qu'on a fait le plein avec de l'hydrazine. L'hydrazine est un gaz extrêmement toxique qui tue au milligramme. Donc, on a tous des masques à gaz. Donc, l'oxygène, les surfaces optiques montent à 1750 degrés, juste à cause de la puissance du laser. Et là, on brûle, on est en train de faire une combustion dans l'oxygène de tous nos polluants, et le carbone va se transformer en, bien sûr, une combustion sous vide et sans flamme. On n'est pas en train de faire de la découpe. Le carbone est dissipé sous forme de dioxyde de carbone, et la surface est propre et la reste. Et la mission est sauvée, merci Danny. Je vous dis tout ça parce qu'on n'aurait pas d'oxygène à bord, on n'aurait jamais volé, il n'y aurait pas d'Eolus en ce moment en orbite. Le télescope... Le nôtre, alors 1,50 m de diamètre, grossissement 42, f sur d 3,9, c'est pas terrible pour faire de la photo, mais nous on fait pas de photo avec, bien sûr, on collecte juste de la lumière, et pour faire de la lumière, ça c'est collecter des photons, c'est impeccable. Le trépied ici, donc ce que vous appelez l'araignée, elle est ici, et puis le miroir secondaire est sous cette pièce-là. Le miroir secondaire fait 3,6 cm de diamètre. Enfin, la surface, la partie active du miroir fait 3,6 cm de diamètre. Alors, on ne le voyait pas souvent comme ça, bien sûr, parce qu'il était protégé de la pollution, des poussières. La plupart du temps, il était couvert. Mais toutes les personnes que j'ai vues, moi, regarder le télescope, quand il était ouvert comme ça, la mâchoire leur tombait. C'est comme Kandinsky. Si vous aimez Kandinsky, c'est comme un Kandinsky. Si vous aimez Miro, c'est comme Miro. Et si vous aimez Rembrandt, c'est comme un Rembrandt. C'est un chef-d'œuvre, en fait. Parce qu'il est parabolique, donc il déforme tout ce qui est réfléchi dedans, et il est tellement parfait à nos yeux. Au laser, il n'est pas parfait, mais à nos yeux, à nous, il est tellement parfait que c'est impossible de voir la surface. On ne voit pas la surface, bien sûr, on voit que ce qui est réfléchi dans la surface. Et c'est pareil pour Dominique Thibault, là, qui est en train de faire une inspection peu de temps avant le tir. On lui demande de cartographier toutes les poussières. Alors, quand il y a une poussière, il la voit, bien sûr, mais quand il n'y a pas de poussière, il ne voit rien du tout. Il a beau avoir une torche assez puissante... Il n'est pas sûr, il ne voit pas la surface. Ses yeux voient ce qu'il y a derrière. Et comme ce qu'il y a derrière ne fait pas de sens pour ses neurones, parce que c'est tout déformé, s'il fait ça un quart d'heure, il attrape une migraine. Donc on a l'araignée, toujours ici. Là, c'est la sortie et l'entrée du laser. Et là, on a le miroir secondaire. Et si je faisais un zoom dessus, on aurait une mise en abîme de tous les miroirs qui se réfléchissent 3, 4, 5 fois à l'intérieur. Et à la fin, on voit en tout petit bleu, moi je le distingue juste un petit peu, on voit Dominique Thibault ici, et puis moi en train de prendre la photo par-dessus son épaule, juste à côté. Décomposition de la lumière, le prisme Sir Isaac Newton, 1666. Donc une fente, alors moi j'ai une fente ici. Si je trouve l'interrupteur. Donc la fente est là, elle est tout petite, vous ne la voyez pas bien. Et j'ai un prisme aussi. Et si je mets le prisme devant, un angle qui va bien, mais je me suis fait un gabarit pour être sûr que... Donc j'ai décomposé la lumière, je suis super content parce que la lumière ici est en nanomètres, et tout d'un coup j'ai réussi à faire une conversion de nanomètres
en centimètres, et moi je suis mécanicien, les centimètres je sais ce que c'est, les millimètres aussi, et je peux même descendre jusqu'au micron. Donc je suis assez content. Ici, on a notre ray à peu près, 355 nanomètres, donc il suffirait que j'aille mettre mon appareil photo, et c'est là où le micro m'embête, bien sûr. Donc il suffirait que je mette ma caméra digitale ici, et puis je repérerai la déviation du faisceau. Et ça, bien sûr, vous vous en doutez, avec 0,5, 0,135, ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas assez précis. Et de loin, si je voulais vraiment faire une mesure de la déviation, c'est-à-dire des 0,5, 0,135 par cette méthode-là, il faudrait, et avec un détecteur qui aurait des pixels de 1 micron, il faudrait que je mette ma feuille de papier à 1,6 km. Et mon satellite, lui, fait juste 1,60 m par 1,60 m. Donc, je n'ai pas 1,6 km. Et puis, même si je pouvais aller à 1,6 km, il n'y aurait plus de lumière du tout. Déjà, je n'en ai pas beaucoup. Donc, ça ne marche pas. Il faut trouver d'autres solutions. Je vais vous montrer. La solution suivante, c'est d'utiliser un réseau optique. Alors, le CD est une bonne image du réseau optique. Le réseau optique serait un peu meilleur, mais pas beaucoup. On aurait peut-être une amélioration de 4, quelque chose comme ça, mais pas beaucoup plus. En revanche, la bulle de savon, là, ce serait très efficace. Parce que quand la lumière rentre dans la membrane de la bulle de savon, elle interfère avec elle-même. Et en fait, ça fait des iridescences comme ça. Et ces iridescences, si je pouvais les mettre un détecteur en face, alors j'aurais la bonne précision. Mais bien sûr, si je dis ça à mon chef de projet, mettre une bulle de savon dans un satellite, ça ne fait pas sérieux. Donc, on remplace la bulle de savon par cette chose-là, que nous, on appelle un interféromètre, mais ce n'est pas obligé d'utiliser des gros mots, qui est un assemblage de bouts de verre très étrange. Il n'y a pas un gramme de colle là-dedans. Les blocs de verre sont collés les uns aux autres par adhésion de surface, juste en les pressant. On retrouve les pieds en V. Dans Réolus, chaque fois qu'on voulait une très grande précision géométrique, une très grande stabilité, on utilisait des pieds en V. Voilà, et on est plus propre ici que dans notre salle blanche ordinaire. Et ici, c'est une image de notre caméra. Alors, il ne faut pas imaginer que notre caméra, c'est une caméra 4K, pas du tout. C'est une caméra qui fait 16 pixels par 16 pixels. Et ça, c'est une ray que j'ai prise de calibration, parce qu'en orbite, on n'a pas accès aux pixels. Ça nous arrive déjà post-processé. Mais pendant une calibration, donc la ligne médiane, elle est là, et donc la fente est descendue vers le bas, et donc effectivement, le vent s'approche du satellite. Maintenant, on ne sait pas faire une mesure sur un seul flash laser. On n'a pas assez de photons. Donc le truc qu'on a trouvé, c'est que sur les détecteurs, on cumule 20 flashs ou les échos de 20 flashs de suite. Sinon, on n'a pas assez de lumière. Et même en faisant ça, on a encore trop de bruit à bord. Donc une fois qu'on a fait une mesure avec 20 flashs, en cumulant sur le détecteur les photons de 20 flashs, on fait la moyenne sur 30 mesures successives. Donc en fait, pour avoir une mesure de vent, il nous faut 600 flashs. 600 flashs à 7,7 kilomètres par seconde, ça fait à peu près 80 km. Donc on fait une mesure de vent tous les 80 km et il nous a fallu 600 flashs pour avoir pas une seule mesure, je ne sais plus comment il faut l'appeler, mais une seule valeur de vent qui soit assez fiable et assez précise. Donc aux limites de l'art de l'ingénieur, le décalage en couleur est extrêmement faible. En plus, avec la cadence de mesure, ça devient l'enfer. Un miroir principal qui est vraiment très très beau, j'ai plein de photos de ce miroir principal, et puis les deux interféromètres qui sont des objets absolument fantastiques. Les essais, donc ça c'est Jean-Paul Lagarde d'Intespace à la console de contrôle manuel de la chambre acoustique. Je ne vais pas tous vous les passer, les essais. Ça c'est un essai de désenclage de la coiffe, parce que pour Eolus, le choc de désenclage de la coiffe était le plus pénalisant, ce qui n'est normalement pas le cas. Normalement, c'est le désenclage du satellite qui est le plus fort. Mais pour nous, c'était le désenclage de la coiffe. Donc là, on a un quatrième étage de Vega. Ici, on a un bas de coiffe. Ici, on a la sangle. Et on va larguer la sangle deux fois et vérifier que notre assemblage de bouts de verre qu'on avait juste à l'instant tient les chocs. Et ça tient. C'est la bonne nouvelle. Ensuite, les essais de vibration basse fréquence. Ça, c'est le bruit du moteur du premier étage qui remonte jusqu'au satellite.
Donc là, on a des moteurs de haut-parleurs, sauf que ça fait 500 kW. Hein, on va mettre le satellite dessus. L'essai dure 2 minutes. Un équivalent, je ne vais pas vous le détailler, mais un équivalent, c'est 8,9 sur l'échelle de Richter. Ça dure 2 minutes, mais les gens qui sont dans la salle, quand c'est terminé, ils applaudissent parce qu'ils ont du stress à dissiper. Et on passe 3 fois par jour et ça dure à peu près 1 semaine. J'ai dit à ma femme que c'était à peu près aussi redoutable qu'un accouchement, mais elle n'est pas d'accord. Et comme je n'ai pas vécu d'accouchement vraiment, donc, et qu'elle n'a pas vécu d'essai sinus, vibration basse fréquence sur un satellite, je n'ai pas calibré ma comparaison. Mais bon, ça fait peur. Hein. Et l'essai acoustique, alors l'essai acoustique, ça c'est encore l'essai de vibration sinus. L'essai acoustique, on fait ça dans une grande chambre réverbérante, qui a des murs en béton qui font 1 mètre d'épaisseur. La porte fait 300 tonnes, elle fait 1 mètre d'épaisseur aussi, il faut 7 minutes pour la fermer. On a 2 sirènes au plafond, que là on ne voit pas parce que c'est au plafond de la salle de conférence. Là, on voit une espèce de tente avec le cul du satellite dessous et Node en train de transporter une baie d'une salle dans l'autre. On va fermer, il y a 8 micros qui sont là. On va fermer la porte et on va soumettre le satellite à un essai acoustique, donc qui dure à peu près 2 minutes. Alors, les micros enregistrent ça. Donc ils sont les 8, mais moi je vais vous les passer en monophonie parce que j'ai qu'un ampli ici. REPF11, je vois toujours pas où c'est, ici. Audacity, je vais le mettre par là. Alors, je vais vous le passer assez fort. Donc les gens qui ont des problèmes d'audition, je vais vous le passer d'abord pendant 5-10 secondes, je vais vous le passer assez bas, je vais vous le jouer assez bas pour que tout le monde puisse entendre. Mais quand je vous ferai signe, je vais monter la puissance de cette chose-là assez élevée. Au premier rang, ça va faire vraiment du bruit. Donc si vous avez des acouphènes ou des problèmes d'audition, et puis les gens du premier rang aussi, je vous conseille de vous boucher les oreilles. Donc on voit plusieurs séquences dans cet essai-là. Au début, on est très silencieux, on a fermé la porte à 1 mètre de béton, on est silencieux. Là, on a une phase où on a une vérification de tous les paramètres de sécurité, donc personne dans la pièce, il y a assez de gaz, les enregistreurs tournent. Ensuite, on a une montée en puissance, à mi-puissance des sirènes. Là, on vérifie que la réponse du satellite est à peu près celle à laquelle on s'attend. Autrement dit, il n'y a pas d'onde stationnaire à l'intérieur de la pièce. Une fois qu'on est ici, donc après, c'est Jean-Paul qui prend la main, qui monte les sirènes à pleine puissance jusqu'à peu près là. Et là, il allait tout à l'heure, on a vu les mains qu'il avait. Il avait les mains sur le bouton. Et donc, il ajuste le spectre juste à ce que Ariane Espace nous demande. Au passage, il a mal le main sur le bouton. Donc, s'il a un spasme, le satellite, c'est fini pour lui. Mais bon, c'est un artiste, donc encore. Alors, je vais fermer mon micro. Je vais vous passer ça doucement. Alexandre ? Bouchez-vous les oreilles. Quand ça se termine, hein. Reprenons mes vues. Donc combien on a mesuré, Alexandre ? 98, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avais ajusté pour 97, un décibel près, c'est pas mal. Et le chiffre qui est à droite ? 50 000. Donc, en fait, pour reproduire l'essai auquel on a fait Subair et Aeolus, il aurait fallu 50 000 de ces amplis. C'est ça la différence entre ce qu'on vient de voir, et pourtant, c'était fort. 50 000 amplis, ça ne tient pas dans toute cette pièce-là. Ça correspond à 10 mètres derrière un rafale au décollage sur un porte-avions. Pourquoi c'est si puissant ? C'est parce qu'on va passer le mur du son avec Vega en traversant l'atmosphère. Donc, ça se coud sérieusement à l'intérieur, quand même. Le dernier essai dont je voudrais vous parler, c'est l'essai vide thermique.
qui est dans cette espèce de grosse cocotte minute. Ici, là, il y a le cul du satellite. Il y a une porte ici, il y a une autre porte derrière, enfin un couvercle devant, un couvercle derrière. On va rentrer le satellite à l'intérieur, on va fermer les portes, on va pomper avec des pompes mécaniques jusqu'au vide primaire. Ensuite, on va pomper avec des pompes turbomoléculaires. Il y en a une qui se trouve par ici, si je me souviens bien. Et on va simuler les températures en orbite. Ce qu'on va faire, surtout pendant cet essai-là, c'est qu'on va répéter la totalité des procédures d'utilisation des Eolus. Non seulement les procédures nominales, mais aussi toutes les procédures de sortie de cas de panne. Donc, dans le cas des Eolus, ça prend 2 mois pour faire tout ça. Et l'essai, c'est à peu près 1 an de préparation. Et nous, ça a bien marché, parce qu'il y a très, très peu d'anomalies sur les... Enfin, j'en ai même entendu parler d'aucune. Donc, les procédures fonctionnent bien. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de vérifier que le contrôle thermique fonctionne bien. Mais bon, là, ça, c'est plus standard, et effectivement, ça fonctionne bien. Et la troisième chose qu'on va faire, c'est de vérifier que, un, le laser qui sort du satellite quand il est complètement terminé a une bonne qualité, c'est-à-dire que la durée de l'impulsion est bonne, la couleur est bonne, et la forme du faisceau, s'il est bien circulaire, en fait, il n'était pas circulaire du tout, mais la forme du faisceau est bonne. Et d'un autre côté, on va rentrer dans la chambre quelque chose qui ressemble à l'écho que renverrait l'atmosphère si le satellite pointait vers l'atmosphère, mais là, ce n'est pas le cas, il est dans une chambre, donc il y a une boîte noire qui se trouve ici, qui génère un écho similaire à celui que réfléchirait l'atmosphère. On a fait ça au Centre spatial de Liège pour une seule raison, c'est que le petit point lumineux qui est ici, là, c'est la seule fenêtre optique en Europe qui permet d'entrer ou ressortir un laser à 355 nanomètres. Autrement dit, là, on a un bout de verre qui permet de sortir ou de rentrer un laser à 355 nanomètres. Ça, c'est Elena Tcheka, je vous en ai parlé, c'est notre thermicienne, c'est elle qui était en charge de cet essai-là. Alors, un essai de mécanicien, ça dure 2 minutes. Un essai de thermicien, ça dure 2 mois, c'est la différence. Il lui faut 4 écrans pour travailler, et quand elle parle, on a intérêt à s'accrocher pour comprendre. Ceci dit, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi aimable et d'aussi disponible que Elena. Dans notre monde, quand même un peu machiste, elle faisait bien, quand même. Et autrement, ouais, il y a des femmes. Donc, les essais... Vibration 8,9 sur l'échelle de Richter, on se fait peur. L'acoustique 10 mètres derrière un rafale de décollage, on se fait peur aussi. Et le vide thermique, c'est 2 mois de répétition très, très sophistiquée sous vide. Et en dessous, j'ai mis une liste des autres essais, parce qu'un satellite terminé, c'est 2 ans d'essai à peu près. Donc on a le temps d'en faire des essais. Je vais changer de main. Et voilà, enfin, après 17 ans de travail... Donc, c'est ce que j'ai passé, moi, sur Eolus. À l'Agence spatiale européenne, il n'y a que moi qui suis resté 17 ans dessus. Ça fait long, 17 ans, hein, dans une carrière. Notre satellite, il est prêt. Là, il ne sera plus jamais touché par un homme. C'est juste avant la mise, la fermeture des coiffes qu'on a vu tout à l'heure sur le film. Ici, il est là-haut. Alors, on ne voit pas bien. Je vois mieux sur mon ordinateur, mais la coiffe est ici. Et puis, le satellite est dedans. Ça, c'est à Kourou, dans l'après-midi. Je crois, vu les ombres, ouais. Donc, il fait à peu près 30 degrés, c'est agréable. Mais le temps n'est pas terrible, hein, quand même. Ça n'a pas été... Et ici, si vous le voyez à peu près, j'ai vu ça dans la dernière semaine avant le lancement. C'est une femelle paresseuse et un petit. Le petit, il est en train de me regarder, ici. Et je suis resté là pendant 20 minutes. Moi, j'avais une dent contre les paresseux, parce que quand ils sont au sol, c'est innommable, ils ne savent pas marcher, ils sont tout mous. Mais là, je l'ai regardé pendant 20 minutes, c'est absolument fabuleux. La voir se déplacer et puis manipuler son petit sur les branches d'arbres, c'est absolument colossal. Ça ne va pas vite, ça c'est vrai, mais la grâce, elle est infinie. S'il y en a qui font du tai chi ou du qigong parmi vous, je pense que le paresseux, ça peut être un bon prof. Je ne m'en suis pas approché, parce que je ne sais pas si vous avez vu les griffes d'un paresseux, mais c'est très impressionnant aussi. Enfin, ça a été une rencontre très, très touchante. Et ça aussi, ça a été très, très touchant. Donc ça, c'est le 22 août 2018 au matin, à 7h30. Je suis passé à la sauvegarde d'Arianespace et j'aurais dit, je voudrais prendre le lanceur en photo. Ils m'ont dit, pourquoi? J'aurais dit, bah, je suis de service toute la journée et ce soir, c'est trop tard, hein, parce que c'était le jour du lancement. Donc ils m'ont laissé rentrer. Il n'y avait personne à 3,5 km à la ronde.
C'est très, très, enfin pour moi, c'est très, très impressionnant de se trouver dans, dans ce hall-là avec le lanceur à portée. Là, j'étais bien sûr sur un palgron pour prendre la photo, mais je me suis vraiment approché du lanceur. Je ne l'ai pas touché, je ne suis pas fou, mais j'étais vraiment extrêmement près. Et j'en ai encore les poils qui se hérissent. Ici, la conduite, là, c'est parce qu'on va lancer le soir, il fait 27 degrés, mais on va lancer Olus à 13 degrés. Donc là, on a l'air conditionné qui arrive dans la coiffe. Là, on a l'autocollant. Alors, on n'a pas le droit de dessiner sur... c'est interdit par Ariane Espace de dessiner. Moi, quand je suis allé les voir, une fois de plus, ils m'ont dit « Non, non, Gilles, tu fais ce que tu veux. Donc, have a good flight, my dear. » Et effectivement, le soir, le lancement était parfait. Donc ça, ce n'est pas une de mes photos, hein, je n'étais pas là, parce que sinon je ne serais pas là non plus, vous en parlez, je pense. Donc ça, c'est une photo du CNES. Ça, c'est ma dernière photo, et c'est aussi mon dernier contact visuel. J'étais sur la salle, sur la plateforme des journalistes dans Jupiter, donc je leur ai demandé de pousser un peu leur caméra, juste pour que je me faufile entre eux. Et c'est mon dernier contact visuel avec cet objet-là. Donc j'ai travaillé sur ce machin-là pendant 17 ans, j'en ai sué comme ce n'était pas possible, et là, il est parti en quelques secondes. Un lancement Vega, c'est très, très rapide. Enfin, j'étais très, très content. Ouais, donc ça a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps, presque archéologique. Donc l'aventure Eolus, pour moi, au moins, c'est 17 ans, enfin, on a commencé à en parler à l'agence, on a commencé à parler du programme définitif en 2001, on a lancé en 2018, donc ça fait 17 ans. Moi, j'ai vécu les 17 ans, bien plus de 2000 personnes sur le pont en permanence. Une longue suite de découragements et d'enthousiasme. Mais on est, une fois de plus, hein, on était les premiers à faire ça. Il n'y a personne qui a fait ça avant nous. Il y a des gens qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Nous, on a réussi. Donc, il a fallu développer pas mal de techniques nouvelles et difficiles. Je vous en ai parlé de quelques-unes, comme celle de flasher le laser avec de l'oxygène. Il y a des grosses difficultés derrière ça. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont entendu parler de l'effet corona, mais quand on met de l'oxygène dans un laser de cette puissance, avec 750 volts quand même, le danger d'avoir corona est très, très, très... Et un flash corona et notre laser est mort. Donc, ça fait peur quand même. En bas, j'ai mis persévérance, mais je m'en veux parce que ce n'est pas juste de la persévérance qu'il faut pour... c'est de la pugnacité. Il faut que je remplace ce mot-là. Et l'aventure continue aujourd'hui avec les opérations parce que Eolus fonctionne encore. Il ne fonctionne pas très bien, mais il fonctionne suffisamment bien pour être exploité. Et puis, son successeur est sur les rails aussi. Et là aussi, ça continue avec des équipes qui me paraissent très motivées. Moi, je suis en retraite. Je ne suis plus trop dedans quand même. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été ici.